Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France ! Un dialogue de l'histoire. 26 février. Richard Nixon, président des États-Unis d'Amérique, rencontrera Mao Tse-tung, président de la République populaire de Chine. Deux hommes au sommet de la puissance. Deux conceptions de la société. Deux visions de l'avenir du monde. Deux géants, une confrontation, voilà comment, en 1972, la télévision, à grand renfort des faits, nous résumait les relations entre les USA et la Chine. Une bande-annonce digne des plus grands films sur la guerre froide. À l'heure où les États-Unis proclament « America first » et où les piqûres d'identité blessent le rapprochement de longue durée entre les deux pays, il est bon de revenir sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui n'ont pas toujours été bonnes, loin s'en faut. Quelles ont été les grandes étapes de cette histoire qui pèse encore sur la conscience politique des deux États? Quelles cicatrices ou obstacles sont susceptibles de rejouer demain et de les entraîner, de nous entraîner dans une situation pénible? On en parle avec mes invités. Mais avant, retour sur une décision de Donald Trump, passée quasiment inaperçue, qui a réactivé les hostilités, augmenté les tarifs douaniers des panneaux solaires venus de Chine. C'est un sujet de Pierre Bonne-Joseph. Après l'entente diplomatique, voici venu le temps de la discorde économique. Désormais, panneaux solaires et machines à laver produits à l'étranger seront 30% plus chers à leur arrivée sur le sol américain. Une mesure qui s'applique à tous les pays, mais c'est la Chine qui est dans le collimateur des autorités américaines. Une mesure pour protéger le Made in USA face au Made in China et enfin rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays. Si Pékin s'est d'abord contenté d'exprimer sa grande insatisfaction, la riposte n'a pas tardé. Début février, les autorités chinoises ont lancé une enquête anti-dumping ciblant les importations de sorgho et de soja américains. Chine-USA, deux empires, c'est aussi le thème du mois de notre partenaire, le magazine L'Histoire, qui consacre par ailleurs sa une au souvenir de la révolution de 1848. Alors on va réfléchir à ces relations entre les deux États depuis 1949, depuis la création de la Chine, de la République populaire de Chine, la Chine communiste, avec deux personnalités. D'abord François Bujon de l'Étang. Vous avez été ambassadeur de France, notamment aux États-Unis, entre 1995 et 2002. Et vous avez travaillé, on y reviendra peut-être dans l'émission, à l'Élysée, à la fin de la période du général de Gaulle, ce qui vous a valu de rencontrer le président Nixon, lui aussi très important dans cette histoire. Et puis Pierre Picard, vous êtes géopolitologue, vous avez fait de nombreux travaux sur la Chine, notamment « La Chine nous menace-t-elle » aux éditions Favre, et vous avez participé à l'élaboration des accords avec l'OMC en 1999, qui seront au cœur de notre sujet. Avant de se plonger dans le passé, je voulais vous demander, François Bujon de l'Étang, la décision de Donald Trump de limiter les panneaux solaires, les importations de panneaux solaires, les importations de machines à laver, c'est quoi? C'est un but protectionniste, c'est protéger l'industrie américaine? Bien sûr, c'est protéger l'industrie américaine et c'est la protéger de concurrence qu'il estime déloyale, souvent, lorsqu'il accuse de dumping tel ou tel partenaire américain. En l'occurrence, la mesure dont vous parlez frappe la Chine, mais il prend assez régulièrement des mesures de ce type avec d'autres partenaires, y compris des grands partenaires des États-Unis. J'ai été, par exemple, ambassadeur au Canada et il arrive fréquemment aux Canadiens de se faire imposer des taxes anti-dumping du type de celles que Trump vient d'imposer aux Chinois sur les panneaux solaires. D'accord. Alors, Pierre Picard, alors, vu du côté chinois, si vous me permettez, est-ce qu'il y a un risque que ça se transforme en tempête avec rétorsion? Vous savez, les relations franco-chinoises comme sino-européennes ont toujours été un petit peu en dents de scie. Et puis, la vision de la Chine a toujours été angélique, soit un peu diabolisée, parce que c'est un territoire lointain et puis parce que notre histoire commune est récente. Donc non, je pense que la Chine est pragmatique et que son objectif est bien évidemment de grandir, mais de répondre lorsqu'il faut le faire. Mais elle est
une habile négociatrice dans le commerce international. Donc vous nous dites pas de préavis de tempête pour l'instant, pas de préavis de tempête sans doute, mais on va remonter dans le passé à un moment où les tensions étaient assez fortes entre les États-Unis et la Chine. On est en pleine guerre froide, il y a eu la guerre de Corée avec une opposition frontale entre Chinois et Américains, et il y a en 1958 un État qui cristallise ces tensions, c'est Taïwan, sur l'île de Formose, et on va vous passer un extrait d'une archive plutôt de propagande qui nous présente l'armée taïwanaise. L'armée de Chiang Kai-shek dispose d'une puissante flotte d'avions auquel le goût chinois a conféré une figure vraiment guerrière. Cette flotte aérienne est soumise à un entraînement continuel. En fonction de la situation insulaire de Formose, les hommes sont solidement entraînés aux diverses opérations de débarquement. Commandos légers équipés de canots pneumatiques. Fantassins adaptés aux opérations combinées. 630 000 soldats sont ainsi engagés à Formose dans des sortes de grandes manœuvres permanentes. Bon, alors, on a vu ce petit document des actualités filmées. Pierre Picard, vous pouvez nous rappeler ce qu'était la Chine de Chiang Kai-shek par opposition à la Chine communiste ? Bien, c'était la Chine qui s'opposait donc à la République populaire de Chine, donc créée par Mao et initiée le 1er octobre 1949. Donc, c'était la vision de deux Chines et de deux mondes différents, surtout à l'époque de la guerre froide. Et cela représentait finalement la Chine. Chine populaire représentait l'opposition à l'époque au monde occidental avec, en plus ou moins bon terme, on le verra peut-être plus tard. Avec mais là, sur les images, ce qui est très frappant, c'est que c'est du matériel purement américain, non, François? Oui, on est dans... Oui, mais ça reste vrai aujourd'hui. L'armée taïwanaise est équipée quasiment à 100% de matériel américain. Mais alors, juste pour revoir, parce que moi, il y a une image qui me fascine, si on veut bien se la repasser, pour voir les stratégies militaires, c'est l'image des expériences de débarquement, de cette espèce d'entraînement. C'est quoi ce qu'on a en mémoire, Pierre Picard? C'est Omaha Beach. Mais les Taïwanais, ils fantasmaient de débarquer en Chine et de reconquérir. Je ne le pense pas vraiment. Parce que le rapport de force était trop inégal. Néanmoins, il y avait le risque américain qui était là. Et néanmoins, c'est la raison pour laquelle Mao Zedong a voulu avoir une force de frappe nucléaire pour répondre en cas d'attaque éventuelle qui était possible à l'époque. C'était possible. Mais François Bujon de l'Étang, pourquoi est-ce que Taïwan reste encore aujourd'hui une pierre d'achoppement dans les relations entre les États-Unis et la Chine? Parce qu'aux yeux de Pékin et des autorités chinoises, il n'y a qu'une seule Chine. Il ne peut pas y avoir je ne sais quel démembrement qui existe. Or, Taïwan s'est posé pendant longtemps sous le nom de République de Chine comme un autre gouvernement légitime en exil de la Chine. Et c'est totalement inadmissible pour Pékin qui, évidemment, tient au dogme d'une seule Chine. Il faut rappeler qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, ce qui n'était pas le cas pour mes ouvrages ou mes articles, mais l'ensemble des articles parlaient de guerre possible, d'intervention. Aujourd'hui, c'est complètement sorti de l'actualité, mais à l'époque, c'était possible qu'effectivement, il y ait une guerre... Alors, on va avancer dans le débat, si vous voulez bien, parce qu'il se trouve que vous avez évoqué le nucléaire chinois. On va se projeter en 1964. C'est un reportage qui nous présente la situation en Indochine, c'est-à-dire au Vietnam, vous avez bien compris, c'est-à-dire le moment où, au fond, les Américains vont accroître leur intervention dans la péninsule indochinoise et vont se heurter au grand allié de la Chine, qu'est le Viet Minh. À Hanoï, les autorités ont créé le Viet Cong, dont la mission est de fomenter la révolution au sud. La Chine, de Mao Tse-tung, intensifie son aide dans tous les domaines. Des unités communistes bien armées progressent à travers la jungle, attaquent les positions sudistes que renforce journellement l'aide américaine. Et c'est une fois de plus la guerre, les morts, les ruines. Alors, François Bujon de l'Étang, l'augmentation de l'intervention américaine au Vietnam, par Lyndon Johnson notamment, c'est quoi? C'est l'idée de bloquer une éventuelle expansion chinoise? C'est l'idée de bloquer une éventuelle expansion chinoise par l'intermédiaire du gouvernement du Nord-Vietnam. C'est la théorie des dominos? Alors, la théorie des dominos, c'est que si on laisse le Sud être conquis par le communisme, c'est-à-dire par le Nord, ensuite,
Ce genre de phénomène peut se propager à travers toute l'Asie du Sud-Est et les gouvernements pro-occidentaux pourront tomber les uns après les autres aux mains des communistes. C'était la théorie en vogue aux États-Unis dans les années 60 qui a entraîné l'intervention commencée par le président Kennedy, poursuivie et amplifiée par le président Johnson. Et c'est un lieu d'affrontement direct entre Chinois et Américains, en oui, fait. Oui, c'est un lieu d'affrontement direct. Ce n'est pas le premier, puisque Chinois et Américains, vous l'avez rappelé, s'étaient battus en Corée pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, dans des conditions très, très dures et une guerre qui a fait énormément de victimes. Au Vietnam, par la suite, les choses sont plus indirectes, puisqu'on ne combat pas des soldats chinois, mais on combat des soldats nord-vietnamiens qui sont armés, entraînés, aidés économiquement par la Chine. Alors, on va voir qu'il va y avoir des étapes. Une première étape, c'est un rapprochement presque amical qui va se jouer autour de ce qu'on a appelé à l'époque la diplomatie du ping-pong. C'est-à-dire que l'équipe américaine de ping-pong puis l'équipe chinoise de ping-pong vont alterner dans l'un et l'autre pays. On est en 1971, regardez. We are positive that the reason that we're going to China has nothing at all to do with politics, and we're going in the spirit of friendly competition in table tennis activity. Alors, François Bujon de l'Étang, il y a une efficacité de ces rencontres sportives? Il y a une efficacité des rencontres sportives, et au moment où nous voyons l'ouverture des Jeux olympiques en Corée du Sud, avec la présence d'athlètes nord-coréens, j'ai à peine besoin de dire à quel point le sport est un élément de la diplomatie. On l'a vu avec Mais vous, vous m'avez dit que vous aviez vu ça. J'étais jeune secrétaire d'ambassade à Washington à l'époque, et j'ai assisté, non pas à ce match que vous venez de montrer, mais au match retour dans lequel l'équipe chinoise est venue rencontrer l'équipe américaine à l'Université du Maryland. C'était une immense sensation, et c'était le début d'une politique de rapprochement entre Washington et Pékin qui a abouti à l'établissement de relations diplomatiques seulement beaucoup plus tard, en 1979. On va y arriver, mais Pierre Picard, symboliquement, cette diplomatie du ping-pong, ça voulait dire quoi ? Moi, j'adore, parce qu'en fait, c'est la diplomatie sportive, la diplomatie du panda aujourd'hui entre la France, l'Allemagne et la Chine. Finalement, ce sont des outils comme on utilisait les tribus à l'époque de l'Empire céleste pour finalement arranger les choses, lier des amitiés, renouer des accords commerciaux. Et on voit bien là, finalement, que la diplomatie est un concept qui peut s'affiner avec nos valeurs humaines quotidiennes. Alors, on va voir quand même, nouvelle étape, que le président Nixon, qu'on a évoqué, en 1972, veut faire un pas en avant. Il a planifié un voyage. Voilà comment il l'explique aux Américains sur une des grandes chaînes nationales. Monsieur le Président, au cours de votre campagne en 1968, vous aviez déclaré que la Chine était un de vos objectifs principaux. En effet, c'était un de mes objectifs parce que j'ai tendance à envisager l'événement dans son prolongement. Dans le cas de la Chine, nous ne pouvons envisager la situation mondiale à la fin du siècle en pensant que 700 millions d'êtres humains, parmi les plus qualifiés, ne pourront y jouer un rôle. Dans 20 ans, quel que soit leur système de gouvernement, les Chinois seront non seulement l'une des grandes puissances économiques, un but qu'ils peuvent atteindre et qu'ils atteindront s'ils développent leur potentiel, mais encore l'une des trois grandes puissances nucléaires. Il voyait loin, hein, Nixon, dans 20 ans. Il y a une vision. Il voyait loin, il voyait juste. Mais alors, moi, vous avez dit quelque chose que je voudrais qu'on précise. Il n'y a pas de relation diplomatique à cette époque entre la Chine et les États-Unis. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'ambassade ? Il n'y a pas d'ambassade. Il y a une relation diplomatique entre la Chine de Pékin, la Chine populaire, et les États-Unis d'Amérique. Alors que la Chine est entrée au Conseil de sécurité de l'ONU. En 71, oui, avec le vote contraire des États-Unis. Donc le voyage de Nixon, qu'est-ce que ça va entraîner ? Qu'est-ce que ça va signifier ? Le voyage de Nixon est un événement majeur.
capitale, qui est l'aboutissement de tout un cheminement du président Nixon. Je crois que c'est ça qu'il faut, bien comprendre. Le président Nixon était un anticommuniste pur et dur. Il avait été le vice-président du président Eisenhower pendant des années. Il n'avait plus rien à prouver sur son anticommunisme. Et de ce fait, il était celui qui pouvait prendre l'initiative de faire un pas en direction de Pékin. Je crois que c'est très important de le comprendre. Il est venu à Paris. Dès son élection, il est venu consulter le général de Gaulle dans des entretiens qui ont eu lieu à Trianon au début du mois de février 1969, accompagné d'Henry Kissinger. Et j'ai assisté à ces entretiens parce que j'étais à l'époque à l'Élysée. Il voulait demander au général de Gaulle quels étaient les enseignements que celui-ci avait tirés de l'ouverture de relations diplomatiques entre la France et la Chine en 1964. Et il a commencé son propos en disant « J'ai l'intention ». D'établir pendant ma présidence des relations diplomatiques avec la Chine. Je suis très intéressé par vos commentaires et vos recommandations et par l'expérience de la France dans ce domaine. Ensuite, tout s'en est suivi. La visite de Kissinger, d'abord au Pakistan, puis ensuite à M. Chou En-lai à Pékin en juillet 1971, puis la visite du président Nixon. Donc il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement. Mais alors, Pierre Picard, moi, ce que je voudrais savoir, c'est à cette époque, c'est géopolitique ou il y a un peu d'économie quand même? Écoutez, c'est géopolitique et puis en même temps, on peut penser que le président Nixon avait également une vision qu'on a entendue d'ailleurs sur les archives, à savoir qu'effectivement, 700 millions qui sont devenus pratiquement 1,4 milliard, ça représente aujourd'hui, un petit peu avant l'Inde, mais le cinquième de l'humanité jusqu'à présent. Mais alors, en quelques mots, Chine, son intérêt, c'était quoi de se rapprocher des États-Unis? La Chine avait un intérêt essentiel, celui de s'ouvrir effectivement économiquement au monde, car c'est un système qui, à l'époque de Mao, ne pouvait pas perdurer. Donc c'était la Chine des réformes qui allait s'ouvrir avec Deng Xiaoping pour construire avec des grandes réformes une Chine nouvelle et plus moderne et donc une Chine viable, ce qu'on appelle le socialisme de marché. Tout en gardant la concurrence idéologique entre les deux grands ensembles, on se regardait entre chien et loup, c'était effectivement les partenariats commerciaux économiques qui pouvaient enfin s'ouvrir. Alors, entre les... on va voir qui vont commencer, mais ils ne vont pas commencer tout de suite. Ils vont arriver avec un monsieur qui s'appelle monsieur Deng Xiaoping et qui effectue en 1978 une visite très importante à Washington à un moment où les tensions avec l'Union soviétique ne sont pas petites. Bonsoir. Une page d'histoire vaut bien une entorse au protocole. C'est en véritable chef d'État que le vice-premier ministre chinois Deng Xiaoping a été accueilli aujourd'hui à la Maison-Blanche par le président Jimmy Carter. Tous deux ont souligné, par les actes et par les paroles, l'importance des nouvelles relations entre les États-Unis et la Chine. Jacques Segui nous résume cette journée capitale pour le monde. Monsieur Carter est en train de vivre des heures difficiles et voici pourquoi. En décidant d'accueillir le vice-premier ministre chinois, le président américain avait calculé les risques de mécontenter les soviétiques au moment où se dénouent les négociations sur les armements nucléaires. Au moment où soviétiques et américains, chacun à sa manière, se disent partisans de la détente. Un dialogue auquel la Chine, depuis ce jour, est venue se mêler. Aujourd'hui, M. Deng Xiaoping est à Washington. Il a rencontré à deux reprises le président Carter et au cours de son arrivée officielle à la Maison-Blanche, le représentant chinois a tenu des propos modérés, sans jamais mentionner, par exemple, l'URSS. Le but de ce voyage en 1979, c'était quoi, François Bujon de l'Étang? Bon, c'était la visite retour, donc c'est assez normal. C'était certainement de développer les relations politiques et économiques avec les États-Unis. C'était aussi d'examiner les conséquences géopolitiques de la fin de la guerre du Vietnam. Le Vietnam du Nord avait gagné, il avait réunifié le Vietnam à son profit, il devenait un client difficile pour Pékin, et donc c'était un sujet qui préoccupait beaucoup les Chinois à l'époque. Mais pourquoi il y a cette tension qui est mentionnée deux fois dans le reportage avec l'Union soviétique ? La tension entre la Chine Chinois et l'Union soviétique. Il y a une tension très vive qui a monté à la fin des années 60, qui a donné lieu à une espèce de guerre, d'ailleurs, des incidents de frontières très graves en Sibérie, sur le fleuve Amour et surtout sur le fleuve Oussouri, qui a tué, on ne sait pas très bien combien, mais des dizaines de milliers de soldats de part et d'autre. Et la tension. C'était quoi? C'était idéologique? C'était une
un conflit territorial sur la frontière. C'était un vieux conflit frontalier qui n'a pas été réglé. Et de toute façon, la Chine et l'Union soviétique s'étaient beaucoup éloignées l'une de l'autre après le rapport Khrushchev et la déstalinisation en Union soviétique. Donc il y avait trois blocs. La Chine a pris ses distances avec une Union soviétique de la détente et de la déstalinisation. Donc il y avait trois blocs et il y a un rapprochement entre Américains et Chinois. C'est quoi? C'est un partenariat? On ne peut pas parler vraiment de partenariat, mais c'est vrai qu'à l'époque, on assiste. C'est pour résumer cette période de l'histoire, à une scission finalement, à une prise d'indépendance de la Chine qui ne veut pas suivre le modèle ni dépendre des États-Unis. C'est très important dans l'esprit des Chinois. Ne pas dépendre des Américains, mais non plus ne pas dépendre des États-Unis, ne pas se fondre avec le bloc donc de l'ex-soviétique, et donc de retrouver sa souveraineté en dehors de l'ex-Union soviétique. Donc ni dépendance vis-à-vis des États-Unis, ni dépendance vis-à-vis de l'ex-URSS, mais on va voir évidemment que la question économique gagne en puissance après les réformes de Deng Xiaoping, et en 1999... Fait étonnant, la Chine veut rentrer et va rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce. On regarde le reportage du journal. L'image est historique. Devant une assemblée de journalistes, Charlene Barshefsky, représentante à Pékin des affaires commerciales américaines, et son homologue chinois font entrer la Chine dans le libéralisme commercial. Une signature, une poignée de main, et l'Organisation mondiale du commerce compte un nouvel adhérent, la Chine populaire, qui ouvre ses portes aux États-Unis. En ouvrant ses frontières, la Chine donne une opportunité aux agriculteurs, aux employés, aux entreprises américaines. Ils peuvent entrer avec succès sur le marché chinois et apporter la prospérité à la Chine. Le Canada et l'Union européenne devraient eux aussi signer prochainement un accord commercial avec la Chine. Pékin est décidément très convoité, même sans respect des droits de l'homme. Pékin très convoité, même sans respect des droits de l'homme. Vous oui, avez participé. C'est récurrent. Mais vous avez participé, vous, à la négociation oui, en tout cas, de ce traité, de préparation, recommandation, parce que il faut savoir qu'à l'époque, l'Union européenne, n'avait pas vraiment de relations bilatérales, de partenariat stratégique, de réunion avec la Chine. Les choses étaient dans le désordre le plus complet. Et puis c'est vrai qu'on avait une méconnaissance totale de la Chine, ce que je n'avais pas en tout cas moi à mon époque. Et donc dans mes recommandations à la Commission européenne, qui ont été transmises au président Romano Prodi, je préconisais des partages et des partenariats à venir pour mieux se comprendre, pour se parler et puis effectivement pour favoriser un monde un peu plus multipolaire. Donc traiter la Chine comme un État, comme un autre, comme un État capitaliste ? Voilà, considérer en tout cas la Chine comme un État qui a le droit en tout cas d'être sur la scène internationale et qui a un désir de s'ouvrir et avec qui on peut parler. Mais François Bujon de l'Étang, là on vient de voir Bill Clinton, finalement c'était la position contraire, opposée à celle de l'actuel président Trump. Oui, c'était une position opposée, mais c'est une forte différence entre les positions des démocrates et des républicains. Les démocrates sont multilatéralistes, ils croient à la gouvernance mondiale, ils croient aux organisations internationales. Les républicains, et singulièrement M. Trump, sont hostiles au multilatéralisme, ils croient au bilatéralisme, ils ne croient qu'au rapport de force, ils ne croient pas à l'organisation internationale, à la Wilson, si vous voulez, le père de la Société des Nations. Après la Première Guerre mondiale. Alors, il y a une forte différence idéologique, en effet, oui. Alors justement, moi, je voudrais vous demander à chacun une question, mais en vous demandant de répondre très très brièvement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un duopole entre les États-Unis et la Chine à l'échelle mondiale, ou pas du tout ? Il n'y a pas de G2, c'est le fantasme du G2, ça n'existe pas. Il y a une espèce de multipolarité, et il y a deux grands partenaires qui sont la Chine et les États-Unis, mais si on parlait d'un duopole, ça voudrait dire qu'ils se mettent d'accord pour gouverner le monde. Or, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Est-ce que ça peut, en une phrase, Pierre Picard, est-ce que ça peut aller trop loin ? Une phrase, il n'y a pas de duopole et la Chine ne veut pas imiter en tant que future puissance mondiale. Le modèle américain veut aller bien au-delà dans tous les secteurs. Donc bien évidemment, dans un monde multipolaire, il y aura la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays. On change d'époque, ça ne sera plus du tout le même modèle.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés sur l'histoire de ces deux pays qui pèsent beaucoup sur la nôtre, sur notre développement. Merci, François Bujon de l'Étang. Merci, Pierre Picard. Je rappelle le titre de votre livre, « La Chine nous menace-t-elle ?» aux éditions Favre. Je voudrais aussi signaler que dans le numéro de l'histoire de notre partenaire, le magazine L'Histoire, il y a tout un dossier sur la Chine et les États-Unis avec un remarquable article de M. Coppolani sur plus particulièrement la visite de Deng Xiaoping aux États-Unis, et il explique l'un des dessous de cette visit, c'est que Deng Xiaoping vient prévenir les Américains qu'il veut attaquer le Vietnam, et de fait, quelques semaines plus tard, il y aura ce conflit ouvert entre Chinois et Vietnamiens. Donc un article à lire passionnément. Merci beaucoup encore, messieurs. L'autre info dans le rétro, c'est ce projet surprise des dirigeants coréens de constituer une seule équipe de hockey sur glace féminin qui participera au tournoi des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Un pays communiste, le Nord, et un autre libéral, le Sud, formeraient un bloc au cours des Jeux qui doivent se dérouler dans la péninsule coréenne entre le 9 et le 24 février, manière de faire baisser la tension militaire dans la région. Une autre image m'est revenue en mémoire. Elle remonte au temps de la guerre froide, une rivalité entre frères ennemis. C'est le 22 juin 1974 à Hambourg. L'équipe d'Allemagne de l'Est, communiste, rencontre celle de l'Ouest, libérale, et hôtesse de la Coupe du Monde de football. À la surprise générale, les Allemands de l'Est s'imposent grâce à un but de Jürgen Sparwasser. Ce fut la seule rencontre dans ce cadre entre les deux équipes. Une confrontation en forme de retrouvailles, notamment dans les tribunes. L'image coréenne et l'image allemande s'inscrivent toutes les deux dans un idéal de réunification de nations divisées par l'histoire. L'une manifeste la coopération entre États-frères, l'autre la rivalité. Mais les deux sont des produits de propagande savamment construits dans les discours des responsables politiques à des fins stratégiques, car le sport est une formidable machine à fabriquer des émotions et à véhiculer des messages. Mais ne nous y trompons pas, il aura fallu 15 ans pour que le mur tombe. Et Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, maintient, grâce à sa course aux armements, une très forte tension dans la région. Comme chaque semaine, on va se quitter avec ces images venues du passé, la fusée Saturne, le lancement pour un voyage vers la Lune, au moment où Elon Musk prépare un voyage vers Mars. L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire.